Bonjour à tous, on se retrouve pour un morceau complet, aujourd'hui un standard de jazz, Moon River, dont vous écouterez tout un tas de versions. Ici c'est plutôt la version de Melody Gardot, une magnifique version, qui m'a inspiré pour cet arrangement. Alors, la chanson est la même, quelle que soit la version, mais il y a un débit, un placement du chant par rapport à la mesure qui est assez souple et libre, et donc c'est pour ça que si vous écoutez la version de Melody Gardot, vous serez plus proche de ce que j'ai arrangé ici. Alors, on est accordé en drop D, donc avec le mi grave abaissé d'un ton, ré, la, ré, sol, si, mi. Et alors, ce qu'il faut déjà, c'est bien avoir cette pulsation, le balancement de la mesure à 3-4. Pour ça, les deux mesures d'intro qui sont sur un accord de ré enrichi, on va dire, avec une seconde et une sixte. Sont idéales, les deux premières mesures. Voilà, c'est pour bien entrer dans l'ambiance et dans ce balancement, oserais-je dire, aquatique. On parle de Moon River, donc voilà, on est dans un flow. Ensuite débute le chant, alors comme toujours, on va tenter de mettre en avant le chant. Donc le chant, c'est... Voilà. Avec ce chant, il y a l'accompagnement. Donc, comme toujours, un peu de relief. Il faut bien s'imaginer le chant au-dessus de tout ça et l'accompagnement un peu en retrait. Les musiciens qui accompagnent la chanteuse sont derrière. Le chant, il est devant. Thank you.
suite, travailler ce relief. Alors, pour que ce soit plus fluide dans cet arrangement, comme souvent, j'utilise ce qu'on appelle l'effet harpisan, ce que Pierre Bensoussan appelle l'effet harpisan, c'est-à-dire la répartition de la mélodie sur plusieurs cordes adjacentes. Donc, notamment ici sur cet accord de sol. Alors, comme on est en ré, la basse en ré, le sol, c'est à la cinquième case et non pas à la troisième case. Do, Si, La, Sol, Do dièse, Si, on joue sur la corde d'à côté, le La sur la corde de Ré, et le Sol à vide. Ce qui permet d'avoir une ligne mélodique assez fluide. Le même principe, vous le retrouverez souvent dans cet arrangement. L'autre principale difficulté, ça va être les accords. On est dans un registre jazz, donc il y a des accords assez riches. Il faut les repérer, notamment pour les changements de position. Quand on passe de l'accord de sol plus, il faut déjà avoir en tête la position suivante. Donc ça c'est un Do mineur 7, Do dièse mineur 7. Et on ajoute le Fa dièse. C'est une onzième. Donc on arrive de l'accord de Ré. Avoir l'index dans la bonne position, à savoir comme un barré en case 2, et venir ensuite poser les trois autres doigts. Entraînez-vous juste à ça. Quand il y a un passage d'accord difficile, le truc c'est de travailler de manière isolée. C'est pas l'accord en lui-même qui est difficile, c'est le passage, c'est l'arrivée sur cet accord, le passage depuis l'accord de Ré. Donc travaillez toujours l'enchaînement, pas l'accord tout seul. Si vous travaillez ça, vous allez vous dire pas de problème. Et arriver à nouveau à ce passage, ça va éventuellement ripper parce que vous n'aurez pas travaillé l'enchaînement. C'est l'enchaînement, c'est le passage de l'un à l'autre. Donc, prenez à partir d'ici, prenez la bonne position avec l'index et venez poser les doigts ensuite. Accord de Fa dièse 7. Qui nous ramène au Si mineur. Alors là aussi. La difficulté, vous voyez, c'est pas si facile, c'est de laisser sonner le Ré à vide en même temps que le Si, sans venir l'étouffer, sans venir bloquer la corde de Ré à vide. Donc déjà. Et en plus, on va jouer une tierce dans l'aigu, et au milieu de tout ça, le Ré à vide sonne. On a Si, Ré, Si, Ré. Donc, moi j'utilise un doigté voilà, qui me permet, qui n'est pas ordinaire, mais qui me permet de dégager plus de place. C'est plus facile que pour moi, en tous les cas, que si je le doigte de manière plus classique comme ça. Donc je fais une espèce de doigté tordu avec le petit doigt, mais ça permet de laisser sonner toutes les cordes de manière plus facile. Trouver le bon compromis entre doigté pas trop étrange et surtout le but premier, c'est quand même de faire sonner les notes qui doivent sonner. On passe ensuite à l'accord de Ré sur La. Il va falloir repérer le bon doigté et travailler l'enchaînement. Essayez de faire ça mesure par mesure, entre chaque accord, vous travaillez l'enchaînement. Après, quand vous enchaînerez le morceau complet, ça sera beaucoup plus simple parce que les doigts se seront habitués à ces enchaînements. C'est souvent les enchaînements qui sont difficiles et pas
l'accord en lui-même ou la position en elle-même. C'est d'y arriver qui est plus compliqué. Voilà, je l'ai dit au moins 5 fois, là, donc vous l'aurez bien compris, c'est le truc à travailler pour cet enchaînement. Et le débit rythmique fluide, c'est libre. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de rester dans les 3 temps bien réguliers, mais avec du rubato, c'est-à-dire un tempo un peu élastique pour que ce soit expressif. Et surtout, surtout, évidemment, je le répète pour la 1000e fois, écoutez les versions chantées, ayez la mélodie bien en tête, ça va vous aider beaucoup. Voilà, bon amusement, bon courage pour cet arrangement qui n'est pas facile, facile, mais vous aurez, j'espère, beaucoup de plaisir à trouver vos marques et à travailler un petit peu le côté jazz. Voilà, on se retrouve une prochaine fois pour un nouveau morceau complet. Salut à tous. Retrouvez toutes les partitions relatives à cette leçon dans le numéro 53 de Guitare Sèche le Mag, disponible en version papier ou numérique, par abonnement ou en kiosque. Le lien de notre boutique est disponible dans la description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à notre chaîne.